Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 673, nan rubrique nouan, ma Bible, mon trésor, notre sujet reste et demeure quelques caractéristiques de l'espérance du chrétien. Zami mouen, pas quitter problème, tracas, difficultés, déceptions, péchés, poté ou aller. Vous avez un aussi grand Dieu qui vous a donné un si grand salut et une si grande espérance. N'a pas rappelé que le chrétien possède une espérance bienheureuse. Tite, chapitre 2, verset 13. Le chrétien possède une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Le chrétien possède une espérance glorieuse. Colossiens 1er, verset 27. Le chrétien possède une espérance céleste. Colossiens 1er, verset 5. Le chrétien possède une espérance vivante. 1 Pierre 1er, verset 3. Le chrétien possède une espérance parfaite. 1 Pierre 1er, verset 13. Le chrétien possède une espérance certaine et rassurante. Romains 5, verset 5. Le chrétien possède une espérance permanente. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Le chrétien possède une espérance libératrice. 2 Corinthiens 3, le verset 12. Le chrétien possède une meilleure espérance. Hébreux 7, verset 19. Et en résumé, le chrétien possède les meilleures choses en Christ. Zami mouen, ça c'est un aperçu de tout ça bon Dieu serré pour vous-même. Et tout bon vrai, l'orgue promesse bon Dieu sous la vie ou pas n'importe moun. La vie ou pas ka passer mal. Et puis tout, si span toute la sainte journée à tout moun ou rencontré, a plaidé dit ou oui ou pas gen chance. Bon Dieu blie ou bien découragé avec la vie. Zami mouen, Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vos soucis. Dieu planifie pour vous. Bon ajoute parole ça pour nous baou plus garantie. Tout ça au saut tendu là. Ce ne sont pas des châteaux de sable. Non non, votre espérance repose sur Dieu. L'ouvri Bibou nan 1 Pierre chapitre 1er verset 21. Pour contexte, verset 21 dit le Christ a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyons en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts en lui donnant la gloire, et en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. L'espérance du chrétien repose sur Dieu. Amen. Quelle assurance! Dieu est le plus solide des fondements. Ben nous dit aux amis moins, Dieu est tout puissant, il est infiniment grand, Dieu est infini, il n'a ni commencement ni fin. Laissez sous qualité, bon Dieu ça, espérance ou chita, ou calme, ou posé, ou tranquille, ou relax. Oh oh, nous t'oublier, notre Dieu est le Dieu responsable. Ça fait si l'autre monde dit, yo pas fait rien pour vous-même. Notre Dieu est capable. L'elle fait une promesse, la kembe promesse là. En plus de caractère bon Dieu qui fait que espérance chrétien, hein, c'est une espérance rassurante. Dans 1 Pierre 1er verset 21, li ba yon preuve. Et la preuve c'est que le Dieu Tout-Puissant a ressuscité des morts, le Seigneur Jésus. Il lui a donné la gloire. Bon, est-ce que j'aime tendre ça arriver déjà pour l'autre monde? Yo rale le mette le deyo soti vivant dans la mort et yo mette l'en position de gloire. Le Seigneur l'a fait, li capable refaire encore et l'a fait pour même zami moins. L'espérance du chrétien ne repose pas sur des choses périssables. L'espérance du chrétien repose sur Dieu. Qu'on y a zami mouen ou mettre prend disposition pour marcher sans inquiétude sur son manteau de grâce. C'est Dieu lui-même qui gardera vos départs et vos arrivées. Bon Dieu créateur a pas d'accord mettre reposer l'espérance qu'il baou sous n'importe moun. Non.
notre espérance repose sur Dieu. Point final.